Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 20 mai 2024 est de 132 gourdes 76,55 pour 1 $. Le taux moyen d'acquisition TMA pour la même journée est de 133 gourdes 45,93 pour 1 $. À la clôture du marché le vendredi 17 mai 2024, le baril de pétrole était à 79,52 $, soit une augmentation de 0,24%. L'économie haïtienne peine à attirer des investissements étrangers, comme en témoigne l'absence d'IDE depuis 2019, année où le pays a reçu 55 millions de dollars américains. En comparaison, des pays comme le Chili et l'Argentine ont vu des flux sortants de 11,6 milliards et 1,2 milliards de dollars américains en 2020. Haïti doit développer une stratégie claire pour inverser cette tendance et encourager des investissements dans des secteurs clés comme les télécommunications et le textile, autrefois attractif pour les investisseurs étrangers. Haïti fait face à des défis majeurs dans la gestion de déchets humains en raison du manque d'infrastructures, de ressources financières et de sensibilisation environnementale. En 2017, seulement 29% de la population avait accès à des installations sanitaires adéquates, aggravant les problèmes de santé publique, rapporte le Nouvelliste. L'inefficacité de la collecte des déchets et l'absence de traitement approprié contribuent à la pollution et aux risques sanitaires. La hausse des prix à la consommation aux États-Unis a ralenti en avril. L'indice des prix à la consommation, IPC, a augmenté de 0,3% sur un mois et de 3,4% sur un an, la plus faible hausse en trois mois, selon le Bureau des statistiques du travail. L'inflation de base, qui exclut les aliments et l'essence, a également augmenté de 0,3% sur un mois et de 3,6% sur un an, conformément aux prévisions des économistes. Après la publication des données, les marchés ont augmenté et le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté de 6 points de base à 4,38%. Les investisseurs anticipent désormais deux réductions de taux de 25 points de base cette année, contre 6 attendus initialement. Fin de la rubrique Profit Info. Merci de votre écoute. À demain. Profit Info, une courtoisie de Profil. Pour demain, Camille, pour Haïti avancer, il faut que chaque citoyen doit mettre main. Les nous unis, nous qu'a fait face à n'importe défi. Yon ti message, et station Go.